sont déjà plus que 6 à être en compétition les uns contre les autres pour savoir qui est le meilleur vilain de chez Disney. C'est bien sûr l'heure de votre programme préféré, j'espère, les Hunger Games of Sin spécial vilain Disney. Et comme on retrouve notre beau château des ténèbres, on retrouve également nos petits concurrents, à savoir Ursula, Madame de Tremaine, Jafar, Grimild, Docteur Facilier et le beau Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. D'ailleurs, vous savez quelle remarque que je me suis faite ? Chez les méchants de chez Disney, il y a quand même 3 couleurs prédominantes. Hein. Le noir, le violet, le rouge. Il y a un petit truc chez Disney, ils se sont dit, ça, ce sera toujours les méchants. Les gentils, eux, ils auront toutes les autres couleurs. En tout cas, aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 à combattre les uns contre les autres. Et à la fin de l'épisode, ils ne seront plus que 5, et ainsi de suite, pour savoir qui sera le meilleur des vilains. Aujourd'hui, encore une épreuve sportive, une épreuve d'agilité, une épreuve avec un ustensile rond. Ouais, un ballon. Ouais, on va faire du ballon, on va faire du dribble surtout. Ils vont devoir dribbler avec le ballon jusqu'à épuisement total. Celui qui en fera le moins sera éliminé de la compétition. On va retourner sur notre terrain neutre où il y a déjà eu quelques drames, n'est-ce pas Maléfique et n'est-ce pas Hadès, qui sont décédés dans d'atroces souffrances. Et pourtant, c'est pas fini. On a toujours les petits tas de l'incendie de la dernière fois. La madame qui habite là, elle joue. On s'en fiche. Et nous, on va les placer pour qu'ils puissent jouer au ballon. Les voilà avec chacun un ballon en face de chaque personnage. Et on va leur demander de s'entraîner à jongler ensemble. Hein, ouais. Après, non, je vais pas faire ensemble parce que j'ai peur que le premier qui s'arrête, ça fait arrêter tous les autres. Donc, on va les faire s'entraîner un à un à jongler. Bien sûr, celui qui fera le moins de jongles, ça se dit ça, et bon, sera éliminé de la compétition. J'ai hâte de voir. Oh, regardez, avec le château derrière, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait de ouf, hein. Ça rend bien. Ça, là, c'est juste un peu flou, mais tout à l'heure, ça l'était pas. Je suis bien en face. Vous les voyez tous. Parce qu'avec ma tête, voilà, forcément. C'est parti. Ils vont dribbler. Alors, ils se sont tous mélangés, bien sûr. Allez, c'est Gaston qui a commencé. Docteur Facilier en dernier, mais ce n'est pas pour autant que... Mais Jafar, bah c'est le gros nul, hein. Il a fait 4 fois. Grimild en a fait 8, Facilier en a fait 8, Gaston en a fait 16. Ok, juste pour... Bon bah Jafar est dead. Ah bah ça, c'est méga rapide là. Je m'imaginais pas autant, mais il y a les deux meufs là qui jouent. Oh, Ursula 24 fois. Et c'est Madame de Tremaine qui aura gagné la compète. Bah GG à elle, par contre Jafar, t'es dead. Il se l'est pris en pleine poire, du coup, bah voilà. Bon, bah les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais m'occuper du petit Jafar moi-même. Ouais. Oh, il a fumé un bon pet avant de venir, wesh. Jafar, regardez comme il est beau. Il a remettu sa plus belle cape. Magnifique. Tout ça pour pouvoir mourir tranquillement. Bien sûr, les jauges ont été remontées à fond. Hein, c'est comme ça que je l'ai fait compétitir. Mais comment je vais te tuer? Je sais pas encore comment. Pour Jafar, je lui ai fait un petit conglomérat. Pour l'instant, de toute façon, ça va être très très long. Mais il pourra, s'il veut, mourir par le feu ou mourir par la noyade. Alors, ça va être plus compliqué par la noyade parce qu'il n'est pas du tout fatigué. Le feu, ce serait pas mal. Mais c'est à son bon vouloir, évidemment. Bon, déjà, il commence un peu à cramer. C'est cool. Par contre, madame, tu vas pas commencer à squatter le feu de camp. Je te le dis tout de suite. Ah ouais, tout de suite, Jafar, sans ses habits d'apparat, il ressemble pas à grand-chose. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi chaud. On va peut-être le tuer de chaud, alors. Vous en pensez quoi? Voilà, il a déjà bien chaud. Ça, c'est bien. Je vais acheter des bûches, voilà, tout ce truc comme ça, voilà. T'as chaud, il fait bon.
C'est pas grave hein, s'il meurt pas de brûlé ou quoi, hein. Vraiment, du moment qu'il meurt, on s'en fiche en fait. Hein. Allez, pourquoi pas sur un petit chamallow là, grillé. C'est toujours agréable. Bon, meurt de chaud, chaleur fatale à 99. Faire des longueurs. Non, mon gars, tu vas sûrement pas aller faire des longueurs et te rafraîchir. Oh, bah, c'est facile. C'est ouais, le meurt de chaud, c'est de facilité, puis ça vient vite en fait. Donc, c'est cool. Non. Non, tu rajoutes des bûches. Tu rajoutes des bûches, tu joues avec, c'est très bien. Tu aimes le feu, non, de toute façon, mon petit chafard. Tu viens des pays du. Des pays chauds, donc tu devrais aimer. Meurs de chaud. Nous sommes déjà au deuxième avis de passage de la mouritude de chaleur. Ça devrait pas tarder, c'est bien, ça me fera pas perdre trop de temps pour cet épisode en tout cas. Pour vous non plus. Et voilà. C'est la fin. Allez, la gueule dans le... dans le truc. La gueule dans le feu de camp. On le voit même plus. Bonjour, chère faucheuse. Encore une fois, je t'offre une âme. Une âme d'un vilain Disney, quand même. Je sais pas n'importe quelle âme. J'espère que tu m'en tiendras pas rigueur de tuer autant de Sims. Mais c'est sympa. Et puis c'était facile, là. Clairement, j'ai oublié qu'il faisait chaud. C'était la solution de facilité. Allez, faucheuse. Remplis donc ton office. Et fauche cette âme impie. Même pas digne de remporter les Hunger Games aux Sims. Merci, faucheuse. On se voit la prochaine. Et la tombe de ce pauvre Jafar va rejoindre celle de ses amis qui l'ont précédé. C'est sympa. Et bon, bah... Dommage pour la jolie piscine et les feux de camp. Ce sera pour une prochaine. Alors que la douce faucheuse pleure la mort des... Bah, des vilains qui n'ont pas gagné. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que bah, ce court épisode, très très court, vous aura plu. Je pensais pas qu'il perdrait aussi rapidement, hein. Clairement. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, qu'il y aurait un peu plus de suspense. J'ai à peine eu le temps de mettre la chose en route que c'était fini. En tout cas, on se retrouve la fois prochaine. Salut.